Béni soit ce jour où le petit séminaire au Bailli du Lait de Saint-Joseph de Moussinene est heureux d'être honoré par la visite de nos pères, Monseigneur Kizito, évêque du diocèse d'Aliwa en Afrique du Sud, et Monseigneur Melchisedec, évêque de notre diocèse. Nous prenons la parole pour vous exprimer, Père évêque, notre gratitude et notre satisfaction pour votre visite combien éloquente au milieu de nous. Et nous vous souhaitons la bienvenue et un excellent séjour au sein de cette maison. Avant tout, il sied de rendre toute grâce à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui, très certainement, dans sa bienveillance providentielle, avait prévu ce jour. En effet, nous n'avons pas oublié que cette visite fraternelle au sein de notre alma mater avait été annoncée, voire fixée au 19 mars dernier, jour mémorable dans ce séminaire, le jour où nous vibrons tous au rythme de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de cette pépinière de cette formation sacerdotale. Mais hélas, des événements malheureux liés à la pandémie de COVID-19 ont tout chambardé. Dieu soit loué si cette visite est rendue aujourd'hui possible. Monseigneur Kizito, nous voulons dans ce sens saluer votre détermination à vous accorder à la grâce de Dieu qui a voulu ce jour. Veuillez trouver ici notre reconnaissance. Néanmoins, nous n'oublions pas la consternation vécue dans les deux diocèses ici réunis, celui de Butembo-Beni et celui d'Aliwa, suite au décès des abbés Boniface et Issao, en date du 26 avril 2020, et Paul Moussafiri, en date du 9 novembre de cette même année.
prêtre très inopinément arraché, non seulement à vous, leur père, mais aussi à leurs ouailles. Nous exprimons aux uns et aux autres nos condoléances chrétiennes pour ces illustres disparus. Tout ceci constitue d'ailleurs un appel pressant pour nous afin de nous mobiliser davantage dans la formation de ceux qui, demain, iront eux aussi à la vigne du Seigneur. C'est le motif premier de l'existence de ce séminaire qui, cette année, réalise 81 années depuis sa création, au cours desquelles années il est resté l'espoir et la fierté de l'Église particulière de Boutembo-Béni, d'où sa dénomination Toumaïn-Letou. Et sa devise Spes Messis in Semine. Bien sûr, 81 ans est l'âge des plus vigoureux, selon le psalmiste. Mais au-delà, ce petit séminaire reste plus que jamais déterminé à préparer pour l'Église et pour le monde le levain dont ils auront besoin afin que l'Ève dans notre case commune, le royaume du Christ. Cette année, notre alma mater abrite en son sein 147 petits séminaristes issus de trois diocèses, Butembo-Beni, Goma et Kisangani. Ils sont encadrés par 6 formateurs prêtres, aidés par une équipe de professeurs laïcs. Notre gratitude s'adresse ainsi enfin à notre père évêque de Boutembo-Béni, qui a bien voulu retenir notre maison au programme de visite de notre père évêque d'Aliwal. Pères évêques, révérendes, honorables moines, chefs de chefferie de Bassoir, frères cadets, petits séminaristes, veuillez agréer à vos titres et qualités respectives l'expression de notre satisfaction. Ferme Sienène le 20 novembre pour le petit séminaire de Moussienène, abbé Jean de Dieu, Kasseleka Tchivoua Tchivoua, recteur.
bienvenue chez nous. Dans cette maison de formation, notre pépinière. Je suis certain que la communauté du séminaire, avec ceux qui nous entourent, qui sont informés de votre arrivée dans cette maison, rendre grâce au Seigneur avec nous pour votre visite. Et en particulier pour ces jeunes qui sont venus dans la maison pour répondre à un appel qu'ils ont reçu du Seigneur afin de discerner au cours de toute leur formation l'appel que le Seigneur leur adresse et se prépare à y répondre pour aller travailler dans sa ville. Certains, comme prêtres, parce que c'est sûr que tous les 140 séminaristes ne deviendront pas prêtres, mais les autres, après avoir reçu une formation de qualité, une formation chrétienne, humaine, morale, une formation intellectuelle, bref, une formation intégrale, pourront aller dans le monde proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, la joie de l'Évangile, et demeurer toujours heureux d'être passé par cette maison qui, laquelle, comme vous l'attendez, date de 47 ici, mais si vous comptez avec le cathédrale du séminaire, le séminaire est arrivé ici à Grand-Bébé. Donc c'est même le même banc, le même casier que vous utilisez. Vous pouvez vous imaginer que nous sommes passés par là où vous êtes. Vous pouvez calculer, je suis arrivé dans cette maison à 65. Ça fait combien? Donc 1965. Je suis entré dans ce séminaire. Et j'en suis sorti en 1971 pour aller au Bas-Montréal. Donc, l'arrivée de son Excellence au milieu de nous est très significatif. Parce que, comme vous l'avez entendu, il vient nous visiter, visiter notre église qui a donné des missionnaires à l'église dont son Excellence Monseigneur Pizito est évêque.
parce qu'ils viennent à la maison où sont passés là les deux missionnaires. Je veux parler de l'abbé Boniface et de l'abbé Paul, de sa fille, qui sont passés dans cette maison, sont devenus prêtres dans notre église de Côte-Bourbine et ont accepté d'aller annoncer l'évangile comme les apôtres au loin, dans le diocèse d'Aliwa, en Afrique du Sud. C'est dire que si vous êtes ici, vous devez vous préparer à annoncer la joie de l'Évangile partout où l'Église aura besoin de vous. Mais c'est la mission de tout être, et particulièrement de notre diocèse, que cette Église soit prête. L'Église de Dieu a besoin de vous. Vous pouvez calculer
Je suis arrivé dans cette maison à 65. Ça fait combien? Donc 1965. Je suis entré dans ce cimetière. Et j'en suis sorti en 1971 pour aller au Bas-Montréal. Donc, l'arrivée de son Excellence au milieu de nous est très significative. Parce que, comme vous l'avez entendu, il vient nous visiter. Visiter notre église qui a donné des missionnaires à l'église dont son Excellence Monseigneur Pizzito est évêque. Vous comprenez que sa présence est très significative parce qu'il vient à la maison où sont passés les deux missionnaires. Je veux parler de l'abbé Boniface et de l'abbé Paul de sa fille qui sont passés dans cette maison, sont devenus prêtres dans notre église de Boudet-Bouville et ont accepté d'aller annoncer l'évangile comme les apôtres au loin dans le diocèse d'Aliwal en Afrique du Sud. C'est dire que si vous êtes ici, vous devez vous préparer à annoncer la joie de l'Évangile partout où l'Église